John chapter 5, verse 34. Are we there? Jean 5, 34. John chapter 5, verse 34. Verset 34 du Jean chapitre 5. Are we there? Est-ce que nous y sommes? If we are there, can I hear a loud amen? Dis amen au Dieu. John chapter 5, verse 34. Of course, I have no need of human weakness, but I say these things so you might be saved. Amen. Amen. Jean chapitre 5, verset 34, il est écrit: Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Who is talking there? Qui parle là? Who? Qui? Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus Christ. He is telling us that we need no human witness. Il nous dit là que nous n'avons pas besoin de témoignage humain. Amen. Amen. We need no what? Nous n'avons pas besoin de quoi? Because human weakness varies. They are never human weakness varies. Il y a quelqu'un, le témoignage humain varie. According to heart desires. Selon les désirs des cœurs. Are we talking together? Est-ce que nous communiquons? There are number. Human weakness varies. Dit, le témoignage humain varie. According to different heart desires. À cause des différents désirs des cœurs. But God's weakness. Mais le témoignage de Dieu. Does not vary. Ne change pas, ne varie but pas. But is of righteousness. Mais c'est de la justice. The only perfect way forward is witness from who? La seule voie parfaite pour passer, c'est le témoignage de qui? Search for God to mark your work and not search for men to mark your work. Tell a neighbor. Neighbor. Dis voisin. Search for God to mark your work. Cherche à ce que Dieu marque ton travail. And not human being. Et pas l'être humain. For human being. Pour l'être humain. Who mark according to his heart desire. Il va marquer selon le désir de son cœur. If you go to Mr. John, si tu vas bien, Monsieur Jean, Mr. John has a different, entirely different character. Monsieur Jean a un caractère complètement différent. Mr. Peter, entirely different character. Monsieur Pierre a un caractère complètement différent. Mr. Joseph, different character. Monsieur Joseph a un caractère. You go to Mary, different character. Tu vas également chez Marie, son Josephine, caractère different character. Josephine a un caractère différent. You go to Ruth, different character. Tu vas chez Ruth, son caractère différent. Loveline. Different character. Chez Loveline, c'est la même chose. Can you satisfy any of them? Est-ce que tu peux satisfaire tous ces gens? But you know, mais tu sais, a lot of errors have been coming into a man's life when he searches to satisfy men. Alors plusieurs hommes ont eu à commettre des erreurs parce qu'ils cherchent à satisfaire les hommes. When you search to satisfy men, lorsque vous essayez de satisfaire les hommes, at the same time, au même you moment, are searching to dissatisfy God. Vous essayez de ne pas satisfaire Dieu. Man can never satisfy man. L'homme ne peut jamais satisfaire l'homme. Never. Jamais. Tell the neighbor, man can never satisfy man. Dis à ton voisin, l'homme ne peut jamais satisfaire l'homme. No matter the effort you input. Peu importe les efforts que tu y mets, you can never satisfy another human being. Tu ne pourras jamais satisfaire notre être humain. But it will turn to perfect obedience to the Lord. Mais si nous obéissons parfaitement au Seigneur, looking only unto Him as our witness. Regardant à lui uniquement comme notre témoin. Everything we do, tout ce que nous faisons, heaven will mark it. Le ciel va marquer cela. When heaven is marking it, lorsque le ciel marque cela, the earth must obey. La terre doit obéir. Because they don't only mark, parce qu'ils ne marquent pas seulement. They implement the mark and the result. Alors ils appliquent les marques et le résultat. On earth, sur la terre. When you do what is right, lorsque vous faites ce qui est juste, heaven implements it on earth. Le ciel l'applique sur terre. Not your husband,
Pardon, Marie. Not your wife. Pas ton épouse. Not your pastor. Pas ton pasteur. Not your prophet. Pas ton prophète. Not whoever tout que ce soit around you. Autour de toi. Don't depend on them to mark your work. Ne dépend pas d'eux pour marquer ton Look travail. At God to mark your work. Regarde ce que Dieu marque ton travail. Me standing here. Moi tenu là. I am nothing. Je ne suis rien du tout. Your work. Pour marquer ton nothing, travail. Nothing. I'm nothing. Je ne suis rien du tout. Never you looked at me to mark your work. Je sais jamais que je marque ton travail. Jesus, the only right marker. Alors Jésus qui est le seul juste marqueur, tout cordeur. Because if you are looking at me to mark your work, parce que c'est ce que je marque when you come in front of me, lorsque tu viens devant moi, you will behave somehow so that you see goodness. Alors tu vas te comporter. When you go in your hiding, you will do the worst there. Tu vas faire le pire là-bas. Am I there to mark it? Suis-je là pour marquer cela? But if you go to Yaoundé, mais si tu vas à Yaoundé, you behave. Tu te comportes. You go to Bamenda. Tu vas à Bamenda. You behave. Tu te comportes. You go to Betoa. Tu vas à Betoa. You behave. Tu te comportes. You go to France. Tu vas en France. You behave. Tu te comportes. You go to America. Tu vas à l'Amérique. You behave. Tu te comportes. There is one person that can mark everywhere. Il y a une personne qui peut marquer partout. Jesus Christ. Jesus. That is why you see some people who steal somebody's wife here, pay a flight, they go like to Costa Rica, they start living there and live with somebody's wife. Why? They know that they have run away from the people. Alors, va trop pour voir quelqu'un prendre la femme d'une personne ici. Are you running away from Almighty God there? Clap for Jesus Christ. Est-ce qu'on peut fuir de Dieu là-bas? I want you to open your mouth again. J'aimerais que vous ouvriez vos bouches. By the grace of God, and tell your neighbor. Par la grâce de Dieu, dites à votre neighbor. Voisin. Least you know. Et pour tout. The only way forward. Le seul moyen d'avancer. That will make you go to heaven. Qui va te faire aller au ciel. Is God's witness upon your life. C'est le témoignage de Dieu sur ta vie. The different troubles we are facing today is because we are turning to human being for witness. Les seuls troubles que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous tournons vers l'être humain pour le témoignage. And when it is human being witnessing our work, God's hand is not really in that place. Lorsque l'être humain est là pour témoigner notre travail, la main de Dieu n'y est pas vraiment. And when God's hand is not really in that place, et lorsque la main de Dieu n'y est pas, something will be happening to your life done by Satan. Quelque chose va se produire dans ta vie qui sera fait par Satan. Yes. Oui. A man of God will enter the church. Un homme de Dieu dans l'église. He see many rich people sitting. Il voit plusieurs many big people. Plusieurs grandes personnalités. He will not talk what will correct them. Il va pas parler ce qui va les He will not talk what will make them change and follow God. Il va pas parler ce qui va les faire changer. He will struggle to please them. Il va se forcer à les plaire. And tell them only what they want to hear. À les prêchant uniquement. So that they will give more money and be more. Après qu'ils donnent davantage l'argent et plus connecté. That one you are struggling to satisfy. Oh, you are wanting whose person to mark your work. You want man seated there to mark your work. Yes. That man of God is a good preacher. He said, I will be blessed. I am blessed today. Je suis béni aujourd'hui. Though I fornicated with somebody's wife yesterday, but I'm blessed. I don't care. But man of God, you are a good preacher. Mais homme de Dieu, take more money. Prends davantage d'argent. Take more money. Prends l'argent. You are preaching well. Tu prêches très bien. Tu prêches bien. God look at you. Et Dieu te regarde. That man. Cet homme. Hey. Hey. I brought that man into the church. J'ai amené cet homme à l'église. Today. Aujourd'hui. So that you can rebuke that sin. Afin que tu reprimandes ce péché. Committing. Qui commet. But you avoided the sin. Mais tu as évité le péché. And you instead told him something else. Et tu lui as dit quelque chose d'autre. As that message did not go but to that sin. Alors comme ce message n'est pas là ce péché. That man will not be broke. Cet homme ne sera pas brisé. As he covered the sin. Comme il couvre le péché. He will swell him up. Alors ça va le gonfler. And make him know that he has not sinned. Et ça va le faire comprendre qu'il n'a pas péché. And that is why he will continue in the sin. Et c'est comme ça qu'il va continuer dans ce péché. Who could have done it? Qui aurait pu le faire? Who? Qui? The mouthpiece of God. Le porte-parole. Who? Qui? The mouthpiece of God. Le porte-parole de Dieu. I
want us to understand something perfectly. J'aimerais que nous comprenions parfaitement quelque chose. A perfect relationship between man and man. Une relation parfaite entre l'homme et l'homme. Is established. C'est établi. By the obedience to reality. Par l'obéissance à la réalité. If there is no reality between the two of you. S'il n'y a pas de réalité entre vous deux. You will not go long with that relationship. Vous n'irez pas loin avec cette relation. This one is faking. Celui-ci fait le faux. This one is faking. Celui-ci fait le faux. You will go nowhere. Vous n'irez nulle part. Because it will not be long. Parce que ça ne va pas mettre longtemps. You discover that hey you done it. Hey you have done it. Alors, hey. Vous avez fait ceci. That's over. Et c'est tout. But if you want to discover, yes, this person spoke the truth. Cette personne a parlé la vérité. What he said, this is it. Ah, c'est qu'il a dit, voici yes, ça. Yes, he's telling the truth. Oui, il dit la vérité. Yes. You will live forever with that person. Alors tu vivras pour toujours avec cette personne. Forever. Pour toujours. Am I talking to somebody here? Quelqu'un m'entend ici. Tell a neighbor. Dis voisin. Perfect relationship. Une relation parfaite. Can only be established. By the word of God. Par la parole de by Dieu. By what God has said. Et ce que Dieu a dit. Amongst men. Au milieu des hommes. Now. Maintenant. There are certain characters. Yes, certain caractères. That some people will put on. Que plusieurs personnes appliquent. Because of the environment. À cause de l'environnement. To satisfy certain things around. Pour satisfaire certaines choses autour. But that is not their right character. Alors ça c'est pas leur caractère. That is not their own. C'est pas leur propre caractère. Pas vrai. No, sister, hello, God. Non, sir, yeah, it's good, good. C'est bon, yeah, c'est bon. Fine, good, good. Bien. Yes. Oui. I'm okay. Je suis okay. But it's instead a wolf inside. Mais c'est plutôt une louve à l'intérieur. When you just touch that person's leg. Lorsque tu touches le pied de la personne. You know the person that time. Tu connaîtras la personne. You know, don't worry, you know. Tu connaîtras la personne, t'inquiète pas, tu connaîtras. Don't worry, you know, you know belong, you know. Alors, ça ne fera pas longtemps, tu connaîtras la personne. You touch my leg. Tu touches mes pieds. You. Toi. You must pay for it. Tu dois payer pour cela. That person now say, No, it's good. C'est la même personne qui parle après. Dad, you have just touched the leg. Tu as juste touché sa jambe. Say, what? Il dit quoi? You touch my leg. Tu touches ma jambe. You pay for it. Tu paieras pour cela. So, who could know the two characters? Qui pouvait connaître ces deux caractères? Qui? Only God alone. Dieu seul. Only God. Dieu seul. There are people that can paint 100 characters here. 100. Different. But among the 100, his real character is not yet portrayed. Alors, parmi ces 100 caractères, son vrai caractère n'a pas encore été sorti, n'a pas encore révélé son vrai caractère. So how will you ever know? Alors, comment est-ce que tu connaîtras? Then somebody just behave towards that person. Vers cette personne. The way la façon God has ordered. Que Dieu a ordonné. And that one will provoke his real character. Et ceci va provoquer son vrai caractère. You see a man who comes towards a woman. Hey, tu vois un homme bien venu parmi. I want to marry you. Et je vais t'épouser. I want to do this. Je veux faire ceci. I want to do this. Je veux faire cela. Many of our sisters here, you have been victim. You can testify. Plusieurs de ces sœurs avaient été victimes. Je peux témoigner. I want to take you out today. Je veux sortir avec toi aujourd'hui. I want to go and give you some things. Je vais aller te donner certaines choses. I want to do some shopping for you. Je vais faire de la boutique avec toi. Did you know what is behind the shopping? Est-ce que tu sais ce qui est derrière l'achat? Did you know it? Est-ce que tu sais? After shopping. Après le shopping. First day. Premier jour. Second day. Deuxième jour. The other day. L'autre jour. I want to shop your skin. Je veux choper ton skin, ton corps. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? I want to show you je veux faire le shopping. Some people are not talking here. Certaines personnes ne parlent pas. Are we not together? Nous sommes ensemble. Not be true. N'est-ce pas vrai? I want to shop your body. I shop dresses the other day, but I want to shop with you now. J'ai fait le shopping à la boutique de jeunesse. Cette fois-ci, c'est sur toi que je vais faire le shopping. Amen. Amen. Okay. Okay. Did you know what the man was after in your life? Alors, est-ce que tu connaissais les mots? Did you know? Dans ta vie. Some women who doesn't pray well, they'll say. Les femmes qui ne prient pas bien vont dire I just met a good man today. The man is so good. J'ai rencontré un homme bon aujourd'hui. Il est tellement bon. He's just buying my dresses anyhow. Il m'achète des habits n'importe comment. Buying things anyhow. Il m'achète toutes choses n'importe comment. Just buying. Il m'achète seulement les choses.
Demande à company secretary. Est-ce que l'homme là c'est ton secrétaire d'entreprise? Demande à work for your cocoa farm. Est-ce qu'il travaille dans ton champ de cacao? There's somebody. The Lord says. Dire que le Seigneur dit. Watch out. Veille. And pray. Et prie. Unless you fall in temptation. Afin que tu ne tombes pas dans la tentation. When you start facing that, lorsque tu fais face à cela, if you really want to use what God has said, si tu veux vraiment utiliser ce que Dieu a dit, break, pay pause. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. Don't cover it. Ne couvre pas cela, sir. Monsieur. All these things you are buying for me. Toutes ces choses que tu m'achètes, sir. Is it for what reason? Alors quelle est la raison pour laquelle tu Why fais cela? Why are you buying all these things for me? Pourquoi est-ce que tu m'achètes toutes ces choses? I want you to be clear. J'aimerais que tu sois clair. Why are you buying these things for me? Pourquoi est-ce que tu m'achètes toutes ces choses? The things the man will tell you there. Les choses que l'homme te dira là. If he does something after. S'il fait quelque chose après. You stand on the words he told you there. Tu vas te dire. He said, I just want to give you a gift. Il a dit, je veux te faire un cadeau. I just want to help you. Je veux seulement te dire. I just want to do it. I'm just a good man. Okay, good. End it like that. Do what? End it like that. Okay, achève comme ça. Those are the words you will use in the spirit. Listen, that is how many women die. C'est comme ça que tu vas that is the word you will use in the spirit during prayer. Ce sont les paroles que tu vas utiliser en esprit pendant la prière. I'm not saying they shouldn't give you gifts. Je dis pas qu'on peut somebody can give you gifts. People are blessed to be blessing to others. Alors, so, if he's giving you a gift, si vous faites des dons, know why first. If he's kept a gift si tu prends un on cadeau, an empty background, si un background beat, without no vocal agreement, sans un accord vocal, you will be touched when the spirit wants to damage you. Alors lorsque l'esprit veut te toucher, tu seras because touché. At the end of it, parce qu'à la fin de cela, he want to come while he was giving you the gift. Il va vouloir venir derrière toi pour la raison. Because he was giving you the gift as an advancement. Parce qu'il te donnait ce cadeau comme un avancement. To come with what he want to come, but after. Alors pour venir avec sa vraie motivation. So if he just receive the gift, donc si tu reçois le cadeau, and no agreement was made, et il n'y a pas eu d'accord, and he go to Injunju when he will say, I want to fornicate with you, you refuse. He go to Injunju, he will kill you and he will walk. Alors si il dit je veux fornicate, toi tu refuses, il va chez marabout, il va te tuer, il va vouloir te tuer, ça va marcher. He will walk. Ça marchera. If you just want to tie your life, si il veut juste attacher ta vie, want to collect your luck, il veut prendre ta collect chance, your womb, prendre tes collect entrailles, something from you, prendre quelque chose de he toi, will walk, no ça doubt marchera, ne doute pas, ça marchera. It can't go there for your hand. Alors, ces outils why it can't go become for your hand? Ces cadeaux sont dans ta main. You yourself you don't know. Toi-même, tu ne sais as pas. You lack knowledge, you perish. Quand tu manques la connaissance, tu péris. You didn't have knowledge there. Tu n'as pas eu la connaissance là-bas. Am I talking to somebody here? Quelqu'un m'entend-il? You know, after church service, after the man of God prayed for us, après que l'homme you know, faith was just started to follow me. Let the favor be defined. Que la faveur soit définie. Believer, croyant, let the favor be. Que cette faveur soit définie. Please, I am talking out of experience. S'il vous plaît, je vous parle. I have been experience. Handling cases here. J'ai géré des cas ici. Whereby this is what is going on. Et alors que voici ce qui se passe. Know why you are taking certain steps. Alors sache, il faut savoir pourquoi tu prends certains pas. Tell your neighbor. Dis voisin. Know. Il faut savoir. Why you are taking certain steps. La raison pour laquelle tu prends certains pas. And let the word of God come there. Et que la parole de Dieu descende là. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. And there are some our mamas. Yes, certain de nos mamans ici. And papa sitting here. Et papa ici là. Children begin to bring things in the house. Les enfants commencent à mettre des cadeaux, à porter des cadeaux à la maison. Mama, this is for you. Ah, only for me. Ah, thank you. Maman, voilà pour toi. Ah, ça c'est pour moi. Daddy, merci. This is money for you. Ah, money papa, for me. Thank you. Papa, voici l'argent pour toi. Ah, c'est l'argent pour moi. Merci. Mama, this is a shop for you. Ah, for me. Thank you. Maman, voici les cadeaux pour toi. Ok. They are picking down their work. Ton enfant travaille déjà. Is your daughter or son working already? Ton fils ou ta fille là, est-ce qu'il travaille déjà? Help that child to grow well. Aide cet enfant à bien grandir. Where are you coming from with all these things? Où est-ce que tu viens avec toutes ces choses? Where? D'où? How are they coming into your life? Comment est-ce qu'ils viennent dans ta vie? From where? De quel côté? Let the child talk to you. Que l'enfant là te parle. Years pass where ignorance. People, some of us today here, we are suffering from
Some kind of things our parents did. Certaines personnes, nous sommes assis là, nous souffrons des choses que nos parents ont commises. And they are on people today. Let me read it to you. Amen. Que je vous lise cela. Open your Bible. Ouvrez notre Bible. Book of First King. Un roi. Le livre de un roi. First King. Un roi. Are we there? Est-ce que nous y sommes? First King, chapter 11. Chapitre 11 du premier livre des rois. Verse 12. Verset 12. Are we there? Est-ce que nous y sommes? I read it to you. First Kings chapter 11 verse 12. But for the sake of your father David, I will not do this while you are still alive. I will take the kingdom away from your son. Un roi chapitre 11 verset 12 est écrit. Seulement je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. The Lord was talking to Solomon like that. Le Seigneur s'adresse à Salomon ici. Because Solomon committed sin. Parce que Salomon a commis un péché. So the Lord said. Donc le Seigneur a dit. I made an agreement with your father. J'ai eu une alliance avec ton père. And the thing I told your father, I will not take away the kingdom from you because of your own sin. À cause de ce que tu as ton père, je ne te prendrai pas ce royaume à cause de ton péché. You are the papa of your son. J'ai le père de ton fils. Solomon. Salomon. You are the papa of your own children. J'ai le père de tes enfants. You are the papa that has committed a sin. J'ai le père qui a commis ce péché. So I will do it on your children. Donc je ferai cela sur tes enfants. You are David's son. Tu es le fils de David. I will not do it on David's son. Je ne ferai pas cela au fils de David. You are the one that has committed the act. Même comme c'est toi qui as commis. Because of what I told David. Mais à cause que je dis à David. I will not do it on you. Je ne ferai pas sur toi. You are papa. Tu es le père. You have committed a sin. Tu as commis le péché. That will not happen but in the life of your children. Ceci se produira dans la vie des enfants. And when Rehoboam. Et lorsque Rehoboam. Grew up. A grandi. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? He harvested the sin of the father. Il a moissonné les péchés de son père. Yes. Oui. So what some papas did are happening in the life of people today. Non, ce que certains parents font se produit dans la vie de leurs enfants. Don't do what will happen to your own children. Ah, ne connais pas ce qui va pousser tes enfants à regarder cela. So sometimes when you are praying, you begin to cancel all the acts, all the curses that came to you because of your ancestor people, because of your father or your parents. Why? It will not work again. The Lord saw all these errors these old people did, came on earth and said, now the birth that these people gave to you biologically is affecting you because of their errors and their sins before God. I have come. If you believe in me, now I have not given you that biological birth. I've given you a spiritual birth. Now you are born of God. He cancelled the biological birth and gave us a new birth now. Donc lorsque vous priez, vous allez parfois annuler les péchés de vos pères. Le Seigneur a vu toutes ces choses et il est venu. Il a dit, je ne vous donne pas une naissance biologique ni de la chaîne du sang, mais je vous donne une naissance spirituelle. Donc si vous croyez en moi, j'annule la naissance biologique et maintenant vous êtes né en moi. So when Satan begin to take the sins of your parents to use against you, not in my own time. I serve Jesus Christ. Je sais. He that believed in the Lord. Et quiconque croit au Seigneur. The biological birth and link on earth was cancelled. Alors la naissance biologique a été annulée. And I was given a new birth from Jesus Christ. Et j'ai reçu une nouvelle naissance de Jésus Christ. Curse will not follow me again. Cette malédiction ne suivra plus. Amen. Amen. Now, maintenant, it is the attitude you do today. C'est l'attitude que tu appliques aujourd'hui. That might determine your tomorrow. Tell anybody, what you do today might determine your tomorrow. So be careful of what you plant today. Fais attention à ce que tu plantes aujourd'hui. Because what you plant today, parce que ce que tu plantes aujourd'hui, you will harvest it tomorrow. Tu vas récolter cela demain. The Lord says, le Seigneur dit, whatever you sow, tout ce que tu plantes, you shall reap it. Tu vas moissonner. If many people go on understanding this scripture that what you sow today, you will reap it tomorrow. Every action today will be based on righteousness of God because you know that if you sow goodness now, you will harvest goodness tomorrow. You sow giving now, you will harvest giving tomorrow, they will give you. You sow prosperity in somebody's life,
you will also prosper tomorrow. Anything you do now, you will harvest it in front. If you do bad, you will harvest bad in front. If you do wrong, you will harvest wrong in front. If you don't harvest it, it will come in the time of your children. Alors, il faut savoir que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu vas moissonner cela demain. Tout ce que tu fais en bien ou en mal, demain, tu vas le moissonner. Si ça ne se passe pas longtemps, tes enfants vont récolter cela. So I caution everybody. Donc, je cautionne tout le monde. Tell somebody, my seed. Dis ma semence. In my hand. Entre mes mains. Matters. Compte beaucoup. Because I will sow the seed. Parce que je vais semer cette semence. This is what I will harvest tomorrow. C'est ce que je vais moissonner demain. If I plant beans today, si je plante le récolte, I will harvest beans tomorrow. Demain je vais moissonner le récolte. I cannot plant beans today. Je ne peux pas planter le récolte. And harvest corn tomorrow. Et moissonner le maïs demain. Most of our days in front are fruits of the past. Alors nos jours, notre futur sont le fruit du passé. Fruits of the past. Notre futur porte le fruit du passé. If you pass your time cheating, crooking and stealing people, your future also will be giving that kind of a fruit. Si tu passes ton temps à escroquer les gens, à voler les gens, ton futur va porter ce genre de fruit. Be technical as you can. Sois technique comme tu peux. To steal. Ou voler. Satan gives technicality to commit sin. Alors Satan donne la technicalité pour commettre le péché. Because when some people steal successfully, they say, "Try God, don't give me talent." No, alors, God. Lorsque plusieurs veulent avoir succès, ils disent, Dieu m'a donné du talent. Non. Satan raise his own people now. Satan suscite ses propres personnes. So if you are stealing small and you are growing, you must steal big. Alors si tu voulais un petit grandi, tu dois voler gros. You must do what? Tu devrais quoi? You must start stealing big time. Tu dois voler en grand temps. Because you have been trained how to steal. Parce que tu as été formé comment voler. There are people sitting even right here. Il y a des personnes assises dans la salle. You will be telling lies. Tu vas mentir comme ça. And looking at somebody into his eyes. Et tu regardes la personne dans les yeux. That one will be professional liar. Ça c'est pas un menteur professionnel. We see an amateur liar. When he's lying, his eyes are down. Lorsque tu vois un amateur dans le mensonge, lorsqu'il ment, ses yeux sont baissés. But if you can lie now, mais si tu peux mentir maintenant, look eyeball to eyeball, tu regardes la personne droit dans les yeux. So that you started lying things. Ça veut dire que tu as commencé le mensonge depuis. I don't understand it. Est-ce que vous comprenez? So that you have been lying things, it's not now. Ça veut dire que tu es un ancien dans le mensonge. Non, mais so. N'est-ce pas ainsi? So you just lie, come on, like people will be insulting, no. Alors tu vas mentir un mensonge simple. You are still to tell lies. You are still to. Tu es encore sur le point de mentir. Amen. Amen. And the Bible says, any man that lies on earth, quiconque ment sur la terre, you go under Satan. Tu es sous Satan. Hey, if people could understand this. Si les gens pouvaient comprendre ceci. Satan is the father of all. Satan est le père de tout mensonge. So when you lie, you go under whose father? Donc lorsque tu mens, tu es le fils de qui? Anytime you tell lies, Satan comes there. Chaque fois que tu mens, Satan vient là-bas. Now, another thing is also going on in the church. Une autre chose se passe à l'église. People lie. Les gens mentent. And say they are using wisdom. Et ils disent qu'ils utilisent la sagesse. Please. There is difference between lies telling and wisdom. Alors, s'il vous plaît, il y a une différence entre le mensonge et la sagesse. Am I telling somebody? Quelqu'un m'entend-il? Did you say this thing yesterday? As you said just here, if I say yes, I said it, it will cause disorder here. Si je dis que j'ai dit cela, ça va causer un désordre ici. No, I'm not talking. Non, j'ai pas parlé. No, j'ai pas I did ça. Not say it. Non, je l'ai pas dit. The more you refuse, is instead more disorder than you are causing. Alors plus tu refuses, tu crées davantage de désordre. Because lies, parce que le mensonge, will never gather. Ne va jamais se rassembler. Lies is always there to scatter. Le mensonge est là pour disperser toujours. Any lying environment must scatter. Tout environnement de mensonge va se disperser. It will never stand forever. Ça ne se tiendra jamais. A church lying and faking will never stand. Ça ne va jamais se tenir. It must finally scatter. Elle doit finalement se disperser. But a church that is founded on truth. Mais une église qui est fondée sur la truth vérité. Truth stands forever. La vérité se tient pour toujours. A family that is founded on truth. Une famille fondée sur la vérité. They are founded on solid foundation. Elle est fondée sur un fondement solide. Relationships that are founded on truth. Les relations sont fondées sur la vérité. Are depending on God's weakness.
dépendent de l'approbation de Dieu du témoin. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. Rise up, rise up, rise up. Levez-vous. Say thank you, King of Kings. Dis merci, roi des rois. Thank you, Lord of Lords. Merci, Seigneur des Seigneurs. Lift up your hand and wave him. Balance tes mains, Seigneur.